Pour réaliser un petit tableau avec le prénom de votre enfant comme ceci, vous avez besoin d'un cadre, d'un peu de ficelle, de papier de différentes couleurs, de différentes matières, de lettres, soit sous forme d'autocollant, comme ceci, sous forme de pochoir, comme ceci, ou alors des lettres que vous aurez imprimées par votre ordinateur. Voilà. Le plus intéressant étant d'avoir des polices de caractère différentes. Vous allez commencer par découper des petits fanions avec un gabarit sur vos papiers. Donc vous choisissez vos papiers, différentes couleurs, différents motifs, plutôt clairs pour remettre en valeur les lettres. Ensuite, vous choisissez vos lettres, choisissez les polices de caractère différentes. Je trouve que c'est ça qui fait le charme. Vous pouvez les coller ensuite sur une ficelle, au pistolet à colle. Attention les brûlures. Choisissez une jolie ficelle. Vous fixez ensuite votre ficelle par derrière avec des clous. Là, un point de colle au pistolet à colle pour bien tenir la ficelle. Un bout de fil de fer pour ensuite pouvoir accrocher votre tableau. J'ai travaillé le fond avec un jet de texture, une première couche de peinture foncée et une autre couche plus claire par-dessus. Je réaliserai une autre vidéo pour vous expliquer comment faire un fond de cette manière. Ensuite, vous pouvez agrémenter de petits sujets, comme des petits coccinelles, des fleurs, comme vous avez envie. Des petits sujets bonbons, par exemple. Et voilà, le tour est joué.